Les années 2000 ont vu l'essor de forums de discussion prompts aux échanges publics pour le plus grand plaisir des passionnés de musique, par exemple. En tout cas, c'était mon cas dans les années 2000. Perso, plus jeune, j'aimais échanger sur mes musiques préférées avec des anglophones. La plupart des forums sont organisés en threads ou fils de discussion ou topics, sujets en anglais. Et ce n'est pas sans rappeler les sites tels que Reddit qui exploitent encore ce système de communication. Mais il n'existait malheureusement pas que des forums innocents et des discussions anodines, car comme pour tout, les dérives sont à la porte de chaque frénésie. Darknet, le 17 août 2007. Un homme sans emploi de 40 ans vit dans une camionnette, tapotant sur son clavier. Il poste un message pour trouver des complices sur un site de téléphone utilisé pour échanger des informations véreuses. Bientôt, deux personnes mal intentionnées répondront. L'affaire sera bientôt connue sous le nom de DarkSite Murder. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va très bien. Merci de demander. On se retrouve pour une nouvelle ADJ, affaire du jour. Je suis Nathalie Katt et j'étudie la criminologie. C'est pourquoi je vous partage chaque semaine des affaires inconnues dans YouTube francophone avec des explications psychologiques et criminologiques. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre pour ne manquer aucune vidéo. Et abonne-toi sinon Poupi viendra te ligoter et te forcera à regarder toutes mes vidéos précédentes sans exception. Bon, c'est pas si terrible. Je te laisse avec mes comptes TikTok et Instagram si je te manque après la vidéo. Mais je te laisse avec un semi-générique. Petit rappel de ce qu'est le dark web. Il faut savoir que lorsque vous tapez ces deux mots sur Google, on vous propose automatiquement des sites qui vous expliquent comment y accéder. Et ceci est très révélateur de l'intérêt que suscite le dark web. Littéralement, dark web signifie toile sombre. Donc grossièrement, le côté obscur d'Internet. Et cette partie noire d'Internet désigne une partie qui n'est accessible qu'au moyen d'un logiciel spécial, permettant aux utilisateurs et aux opérateurs de sites web de rester anonymes ou introuvables. Comme Gigi. Et cette sombre toile fourmille d'activités criminelles, de boutiques illicites et de contenus prohibés. C'est pour cela que la police et certaines agences gouvernementales ont la possibilité de surveiller les activités sur ces réseaux. Ils peuvent donc traquer les utilisateurs impliqués dans des actions criminelles considérées comme une menace à la sécurité nationale. Et autre fait que j'ignorais mais qui est plutôt logique, le dark web à l'origine avait été créé à des fins militaires afin de protéger les agents américains à l'étranger en garantissant l'anonymat de leurs communications. Le web clandestin fera partie intégrante de notre histoire à ne pas confondre avec le deep web ou toile profonde qui fait référence aux parties du web qui ne sont pas répertoriées ou qui sont introuvables par les moteurs de recherche classiques. En clair, le dark web est la partie d'internet seulement accessible via des logiciels, des configurations, des protocoles spécifiques. Et je vous laisse imaginer les dérives et toutes les choses illégales qui y circulent. Sans pour autant s'y rendre, on peut aisément imaginer que cela va des choses des plus anodines, comme les faux passeports, les faux papiers, le trafic de données bancaires, mais aussi à des choses plus graves comme la vente de substances illicites, les sites de vente d'armes et des contenus pornographiques, enfin vous avez compris, et ceux liés malheureusement à des meurtres. Cap sur le pays d'Asie de l'Est le plus populaire, à la fois moderne et attaché à la tradition. Et c'est cette ambivalence que j'apprécie. Cet archipel de tous les contrastes, comme le dit le Figaro. Hyper urbanisé et riche autant culturellement que historiquement. La vie trépidante de Tokyo, le majestueux mont Fuji, les jardins de Kyoto et le symbole japonais ultime, la fleur de cerisier. Et bien sûr, la nourriture. Les sushis, tempura, onigiri, ramen, udon... Autant de noms appétissants importés en Europe qu'on déguste en une fraction de seconde et qui doivent être encore plus délicieux au pays du soleil levant. Oui, parce que je n'ai pas encore été là-bas. Nous sommes dans la région de Chubu. Joli nom, on se croirait dans un animé. Il faut savoir que le Japon comporte 47 préfectures qui, du point de vue géographique et historique, peuvent être réparties en 8 régions, dont celle du Chubu. Et si cela ne vous dit rien, sachez que c'est dans cette région que nous retrouvons les Alpes japonaises. Parmi elles, le mont Fuji, comme relief dominant. Nous sommes dans la région centrale de l'île d'Honshu, nichée entre le Kanto à l'est et le Kansai à l'ouest. Et justement, Chubu signifie « centrale ». Logique. C'est aussi la troisième région la plus peuplée du Japon avec 21 millions d'habitants.
Oui, ça fait beaucoup. Vu qu'on est en plein dans les Alpes, la région est hôte des sports d'hiver et les randonneurs y trouvent leur bonheur. Pour ce qui est des villes, zoom sur la capitale de la région, Nagoya. Elle est forte d'une belle gastronomie basée sur le miso, donc c'est un aliment traditionnel japonais qui se présente sous forme de pâte fermentée. On le connaît en France avec les fameuses soupes servies avec les sushis. Mais Nagoya est aussi connue pour ses tournois de sumo. Bon, on ne va pas parler de sumo aujourd'hui, mais on va parler de Kenji. Non pas le chanteur, mais bien d'un homme de 40 ans, sans emploi, vivant dans une camionnette qui poste un message sur le dark web. Et pas n'importe quel message. Esai, préfecture de Aichi. Le 17 août 2007, Kenji Kawagishi envoie depuis sa camionnette, enfin j'imagine vu qu'il avait élu domicile dedans, un message sur un site de téléphonie mobile, mais on est sur le dark web, donc vous vous doutez bien que ce site n'a pas pour but premier d'acheter le dernier iPhone. C'est plutôt un site d'échange d'informations douteuses. Le message de Kenji est en fait une bouteille à la mer afin de trouver des complices, et cette bouteille au dark web va rapidement être interceptée, car le message va être lu par Tsukasa Kanda, Yoshitomo Hori et Yoshiro Ondo. Alors pour faciliter la mention de ces prénoms, on va les appeler Kanda, Hori et Ondo. Voilà, ça sera plus simple. Kenji, quant à lui, l'auteur du message initial, était un délinquant de longue date. En effet, un problème médical l'avait pour ainsi dire quelque peu exclu de la société en tant qu'enfant. Et victime d'harcèlement et d'intimidation, cela avait précipité sa marginalisation. Et cette exclusion l'avait rapidement mené à la délinquance. Cela ne l'a pas empêché de se marier et d'avoir 4 enfants. Mais fin des années 90, il y avait déjà Internet. On se rappelle que la naissance d'Internet, c'est 1995. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes né avant la création d'Internet ou après. Et si vous êtes né aussi avant Google. Si vous êtes né avant 1997, eh bien, je vous annonce que vous êtes plus vieux que Google. Kenji commence donc à utiliser le dark web fin des années 90. Car il commence des escroqueries, il ouvre par exemple des comptes bancaires qui lui serviraient pour des activités illégales, pas folle la guêpe. Enfin, si un peu, parce qu'il est très dépensier et son appart va être saisi pour raison de fraude fiscale. Kenji était bien évidemment déjà connu des services de police et sa femme et ses enfants vont le quitter car en plus d'être un escroc, il était violent envers sa famille. Sa femme divorce pendant que lui fait des allers-retours en prison. Dans les années 2000, il n'aura donc tiré aucune leçon de sa condamnation et de sa séparation. Et il faut dire qu'il s'accroche au dark web car malgré ses accusations, il continue à l'utiliser. Kenji est complètement barge. En plus de cela, sa vie demeure particulièrement instable, également professionnellement, car il va enchaîner des boulots tour à tour dans la sécurité et les transports. Le 17 août 2007, quand il poste son fameux message sur le forum à Esai, il vit dans sa camionnette car il vient tout juste de sortir de prison. Et 3 hommes vont répondre à ce message sur le forum, mais je n'en mentionnerai que 2 car le 3e ne va pas suivre l'activité criminelle des 2 autres. Hori est un joueur de fléchettes au chômage qui avait une lourde dette s'élevant à 4 millions de liens, ça fait 24 800 euros environ. Alors, j'adore la présentation du criminel. Imaginez-vous, il se rend en prison et là, il se trouve en face de quelqu'un qui lui dit « Eh bien, je suis un tueur à gages. » Il répondrait quant à lui « Eh bien, moi, je suis un professionnel de la fléchette. » Ça fait pas très effrayant, quoi. Et contrairement à ses autres complices, il n'avait pas d'antécédent criminel. Kanda, quant à lui, était un vendeur de 36 ans à Asahi Shimbun de Takasaki, préfecture de Gunma. Il avait un passé trouble comme Kenji et lui aussi avait été harcelé à l'école et souffrait sur le plan médical comme Kenji, mais lui c'était plutôt les migraines chroniques. Son père le maltraite et il trouve un second foyer dans les gangs locaux. Condamné pour des délits mineurs, il est tout de même diplômé en 1980, utilise le dark web depuis 1997 aussi et s'est rendu coupable de fraude mais est employé dans une société de presse tout en étant payé une misère. C'est vraiment l'enfer, il ne s'entend ni avec ses collègues, ni avec son patron. Et en plus de cela, sa copine lui donne de l'argent afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. Alors imaginez-vous la situation, vous êtes complètement démuni, personne ne semble vous apprécier, et en plus de cela, vous avez de l'argent de poche comme un enfant. Je pense que cela a dû renforcer
ce sentiment d'infériorité qu'il avait depuis l'enfance, lorsqu'il se faisait harceler à l'école et qu'il était mis à l'écart à cause de sa maladie et qu'il était maltraité par son père. Et cela a dû l'entraîner ainsi dans le cercle vicieux de la criminalité. Le dernier homme qui ne sera pas impliqué plus tard était Hondo, un chômeur de 29 ans qui avait du mal à payer son loyer. D'autres hommes vont répondre, mais Kenji va jeter son dévolu sur Hori et Kenda, qui avaient comme dénominateur commun, eh bien, la galère financière. Et ils vont rapidement devenir partenaires de crime. Après avoir échangé plusieurs mails, les quatre hommes se rencontrent face à face le 21 août, afin de discuter de la manière dont ils pourraient obtenir facilement de l'argent. Hori a suggéré de voler un riche joueur de pachinko qu'il connaissait et les trois autres ont accepté. Ils tentèrent de le voler plus tard dans la journée. Dans la nuit du 23 août, Kenji Kawagishi et Hondo font irruption dans le bureau d'un plombier à Nagakute où Kawagishi s'enfuit effrayé, laissant Hondo derrière lui. N'ayant pas assez d'argent pour rentrer chez lui, Hondo va se rendre à la police et être arrêté pour intrusion et tentative de vol. Alors je vous avais dit qu'un des quatre hommes ne sera pas impliqué ultérieurement, et bien c'est Hondo, non pas parce qu'il était gentil et qu'il se rendait compte de sa bêtise, mais parce qu'il s'était fait arrêter. Dans l'après-midi du 24 août, Kenji Kawagishi, Kenda et Hori se sont à nouveau vus pour concocter un autre complot sur le parking d'un magasin de location de vidéos à Midori, Nagoya. Kenda suggère alors qu'il kidnappe et vole une femme marchant au hasard dans la rue et qu'il la tue pour empêcher que leur vol ne soit détecté. Hori et Kawagishi, donc Kenji, ont accepté la proposition et ils vont rapidement trouver une victime. Vous voyez où je veux en venir. Rie Isokai est une jeune employée de bureau travaillant essentiellement dans l'administratif, née le 20 juillet 1976. Et le soir du 24 août, à 19h, après un long vendredi de boulot, elle marche dans les rues de Nagoya pour rentrer chez elle. Elle était très travailleuse et c'était la fille de Surayoshi et Fumiko. Enfant, elle perd son père et elle était donc très proche de sa mère. Elle souhaitait la mettre à l'abri, comme on dit, et lui acheter une maison. C'était donc une personne très sérieuse, aimante et attentionnée, et qui était très vite entrée dans le monde du travail. Ironiquement, elle était restée longtemps à son travail ce jour-là. La rue était vide et silencieuse. Il était plus de 23 heures lorsqu'elle atteint son quartier. Elle passait par la gare de Motoyama pour son long trajet. Elle remarque alors un véhicule au ralenti, avec trois hommes à l'intérieur. Vous l'aurez deviné, il s'agissait de Kenji et de ses deux complices. Les trois hommes cherchaient depuis 19 heures. Jusqu'à ce qu'il ne voit Rie Isokai rentrer chez elle dans une rue sombre du quartier de Jiyugaoka de Shikusa, Nagoya. Hori sort de la camionnette et s'approche d'elle, faisant semblant de lui demander son chemin. Il la force alors à monter dans la camionnette. Kenda et Hori menacent Isokai à l'aide de couteaux. Ils exigent son argent et ses cartes de guichet automatique pendant que Kawagishi conduit sa camionnette jusqu'à un parking isolé à Esai, une ville de la banlieue de Nagoya. Sur le parking, Hori pointe son couteau sur Isokai et lui extrait donc son code PIN pour les cartes ATM. Juste après minuit, Kenji Kawagishi tente de vie, vous aurez compris, Rie, mais sa tentative échoue parce que Kenda et Hori l'arrêtent. Rie Isokai est tellement effrayée qu'elle tente de s'enfuir de la camionnette. Et du coup, Kenda, Hori et Kenji décide de la tuer. Rie les supplie, mais en vain. Vers 1h du matin, Kenda enroule du ruban adhésif autour de sa tête pour l'étouffer et la voyant encore en vie, lui frappe la tête avec un marteau environ 30 fois, tandis qu'Hori et Kawagishi l'étouffaient avec une corde. Après l'avoir tuée, les trois hommes jettent le corps de la malheureuse Rie dans une forêt de Mizunami, dans la préfecture de Gifu, vers 4h du matin, et tente de retirer de l'argent sur son compte bancaire au distributeur automatique d'un dépanneur pour découvrir qu'elle leur avait dit en fait un mauvais code PIN. Déçu de ne pas avoir pu lui soutirer de l'argent, il partage alors les 62 000 yens qu'ils avaient trouvés dans ses affaires. Ça fait environ 385,65 euros, c'est tout. Les trois complices se séparent, se promettant qu'ils kidnapperaient et voleraient une autre femme à l'avenir. Au hasard, à la gare de Nagoya, dans la soirée du même jour. Alors ça veut dire qu'ils ont fait leurs actes innommables et ils se promettent de recommencer le jour même.
Je sais pas si vous imaginez le niveau de cruauté. Le 25 août 2007, Kawaguchi téléphone à la police pour avouer le crime vers 13h. Quant à la raison pour laquelle il s'est rendu à la police, il explique qu'il avait peur d'être condamné à la peine capitale, donc la peine de mort. En effet, le code pénal japonais prévoit que la peine de mort se voit muée en une peine atténuée, donc une peine de prison à perpétuité, si un criminel se rend avant d'avoir été identifié officiellement comme suspect par les autorités. La police croit en les dires de Kawaguchi et trouve bientôt le corps de la malheureuse victime, comme il l'avait décrit. La police arrête donc Kenji et ses complices le 26 août, soit 2 jours, voire 1 jour et demi après le drame. Fumiko Isogai, la mère de la victime et unique membre de sa famille, a identifié le corps le jour même de son arrestation. Les 3 hommes ont été accusés de meurtre pour vol, d'enlèvement à des fins lucratives, de séquestration et d'abandon de cadavres le 5 octobre 2007. Kawaguchi a également été accusé de tentative de vie sur les lieux du vol. Il faut savoir que la peine capitale est une sanction légale pour meurtre au Japon. Mais les lignes directrices générales en matière de détermination des peines signifient que les condamnations à mort ne sont généralement pas prononcées pour un seul meurtre. Fumiko Isokai, dont l'unique enfant a été tué dans ce crime, a lancé une campagne appelant à la peine de mort pour les 3 meurtriers en septembre 2007. En 10 jours, sa pétition a été signée par pas moins de 100 000 citoyens. C'est énorme. C'est très révélateur du choc qu'a subi le Japon après avoir été informé du drame. Fumiko présente sa pétition en faveur de la peine de mort avec quelques 150 000 signatures au parquet du district de Nagoya le 23 octobre 2007. Environ 318 000 citoyens avaient signé sa pétition en décembre 2008. Bien que les meurtriers isolés soient rarement condamnés à mort au Japon, Takeshi Tsuchimoto, spécialiste du droit pénal à l'université de Hakuo et ancien procureur du parquet suprême, espérait que la tendance récente vers des peines plus sévères, soutenue par le soutien public croissant à la peine capitale, encouragerait le tribunal à condamner Kenda et Hori à mort. Alors ce qui est fou, c'est que les pères de Kawaguchi et de Hori ont demandé que la peine de mort soit appliquée sur leur fils. Ils ont demandé au tribunal de les condamner à mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est extrêmement symbolique et je trouve ça fou. La mort de Rie a tellement estomaqué le Japon que même les parents des meurtriers se sont dit « Allez, ils ne méritent pas de vivre ». Le procès s'est ouvert devant le tribunal du district de Nagoya le 25 septembre 2008. Tous les accusés ont reconnu avoir volé et assassiné Rie Isokai lors de la première audience. Ils ont convenu que la brutalité s'était intensifiée alors qu'ils essayaient de se vanter mutuellement. Kenda a déclaré à Kawaguchi lors de leur première réunion qu'il avait commis un homicide à 2 reprises. Et Hori a écrit dans un email à Kawaguchi qui venait tout juste d'être libéré de prison. Ce qui s'est avéré être des mensonges que chacun d'eux a raconté afin de paraître plus grand bandit que les autres. Les avocats de la défense ont fait valoir qu'il ne devrait pas être puni de mort parce que le crime a été commis dans une atmosphère qui empêchait les complices de se dire non, quel que soit l'acte atroce qui pourrait être proposé, donc un effet de groupe. Et parce que la mort d'Isokai était accidentelle et ne pouvait pas être si cruelle jusqu'à entraîner la peine capitale, compte tenu des condamnations prononcées dans des cas similaires dans le passé. Bon, accidentelle, je ne pense pas, parce qu'ils l'ont quand même étranglé à mort et martelé au marteau 30 fois. Les accusés se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux était le principal coupable et à quel moment ils avaient accepté de tuer la victime. Kawaguchi, par exemple, a insisté sur le fait que Kenda était le principal tueur et qu'il n'avait pas eu connaissance du plan visant à tuer la femme jusqu'à ce qu'il ait vu les 2 autres commencer à l'étouffer. Hori a également affirmé que Kenda avait dirigé le crime et qu'il n'avait pas pensé à assassiner la victime jusqu'à ce que Kenda suggère de l'étrangler à la dernière minute. Kenda a déclaré qu'ils étaient parvenus à un consensus sur le meurtre avant de commencer à rechercher une femme et à lui voler de l'argent, mais que cela n'avait pas été sérieux jusqu'à la tentative de vie de Kawaguchi et que justement ça a mené à un changement d'attitude de Rie qui a essayé de s'enfuir. Donc du coup, tous sont décidés en une même voix de la tuer. Et il affirme aussi que Hori, qui aurait frappé la victime sur la tête avec un marteau avant Kenda, était le principal. Bon, vous l'aurez compris, chacun se jette la pierre. Au cours des audiences du procès, les accusés se disputaient souvent les uns avec les autres. Kenda se moque aussi de Rie. Kawaguchi a déclaré que la victime n'avait tout simplement pas eu de chance. Le culot.
Voyant que les accusés étaient loin de s'excuser, Fumiko Isokai a déclaré que leurs paroles étaient insupportables et a ajouté « Cela pourrait être mieux que des excuses superficielles ». Les procureurs ont exigé la peine capitale pour tous les accusés lors de la plaidoirie finale du 20 janvier 2009. Ils ont insisté pour que le tribunal condamne Kawagishi à mort, malgré sa reddition volontaire, parce qu'il était impénitent et que la police aurait pu arrêter les trois sans sa reddition. Donc en gros, même s'il s'était rendu, il trouvait juste qu'il soit condamné également à la peine de mort. Le 18 mars 2009, le tribunal du district a déclaré les accusés coupables de toutes les accusations. Kenda et Hori furent condamnés à mort et le juge Hiroko Kondo a déterminé dans sa décision que Kenda, ils ont presque le même nom, hein, Kondo, Kenda, elle a déterminé que Kenda avait joué un rôle de premier rang dans le meurtre. Elle a déclaré que les motivations de leur crime ne laissaient aucune place à la clémence et que la peine capitale était la seule option, comme le pensait l'opinion publique. Même en considérant qu'il n'y avait qu'une seule victime, car leurs actes criminels étaient extrêmement impitoyables et odieux, et considérés comme une menace sérieuse pour la société. Kawagishi a été condamné à perpétuité, parce que le tribunal a jugé qu'il avait fourni à la police des informations utiles ayant conduit à l'arrestation de Kenda et Hori. Il fut donc épargné de peine de mort. Les principaux journaux nationaux ont publié des éditoriaux soutenant le jugement peu orthodoxe de Kondo, partant du principe que la peine capitale devait être maintenue. Parlons des réactions dans les médias. L'Asahi Shimbun et le Menichi Shimbun ont affirmé dans leurs éditoriaux que la plupart des gens soutiendraient ce jugement. Et le Nikkei, c'est un journal, a déclaré que le jugement était raisonnable. Le Sankei Shimbun a évalué de manière agressive le jugement comme un jugement naturel et terre-à-terre d'une grande importance. Le Tokyo Shimbun, quant à lui, a estimé que la peine capitale était inévitable compte tenu de la brutalité du meurtre et de ce qu'en pensait la famille de la victime. Ils ont également noté cependant qu'il serait difficile pour les juges citoyens de déterminer si la peine de mort serait appropriée dans ce type d'affaires dans le cadre du système de juges non professionnels qui a été lancé en mai 2009. Hiroshi Itakura, spécialiste du droit pénal à Nihon Université, a déclaré que cette décision pourrait constituer un nouveau critère pour la peine capitale dans le cadre du système judiciaire non professionnel. 4 heures après avoir été condamné à mort, Hori a déclaré aux journalistes qu'il estimait que les mots « peine capitale » étaient trop lourds, même s'il s'y était préparé. Kawagishi a déclaré « Je suis heureux que ma reddition ait été prise en compte et que je n'ai pas été condamné à mort. » La mère de la victime et le petit ami de la victime ont exprimé leur déception face au jugement qui a sauvé la vie de Kawagishi. Et notons qu'il y a eu dans cette affaire pas mal de rebondissements. Les trois accusés ont également fait appel devant la haute cour de Nagoya pour obtenir une réduction de leur peine. Cependant, Kenda a retiré son propre appel sans le consentement de son avocat et sa condamnation à mort a été finalisée le 13 avril 2009. Les procureurs ont interjecté l'appel contre la décision du journal de district concernant Kawagishi le 27 mars 2009. Et le 13 avril 2011, la haute cour de Nagoya a confirmé la peine à perpétuité de Kawagishi et a réduit à perpétuité la peine de mort de Hori, jugeant qu'ils étaient tous deux moins responsables que Kenda. L'accusation a fait appel de la décision devant la Cour suprême, qui a confirmé les deux condamnations à perpétuité, mais Hori a ensuite été condamné à mort pour le meurtre d'un couple marié en 1998. Donc il ne mentait pas quand il disait qu'il avait tué deux autres personnes. Tsukasa Kensa fut pendu le 25 juin 2015. Rie Isokai, né le 20 juillet 1976 et décède le 25 août 2007 à cause du fait qu'elle s'était trouvée fatalement au mauvais endroit au mauvais moment. Et ce, pour moins de 400 euros. Sa vie était pleine d'amour, avec des liens forts maternels, des amis, des gens qui l'aimaient et de l'ambition. Et ce qui est super frustrant, c'est que c'était la fille unique d'une femme qui avait déjà subi le décès de son mari. Je n'imagine même pas la souffrance de Fumiko. Dites-moi si vous comprenez cette requête de peine de mort pour les bourreaux de sa fille, et personnellement, en faisant preuve d'honnêteté et d'empathie, je comprends à 200%. Pour ce qui est des profils des tueurs, on a dit précédemment qu'il y avait un trait convergent, un dénominateur commun entre tous, c'est-à-dire la détresse financière, mais je rajouterai aussi une détresse sociale et psychologique. Car dans le lot, ils avaient souffert d'harcèlement à l'école et d'exclusion. Bien sûr, cela ne justifie en rien leurs actes. Beaucoup de gens ont souffert et souffrent actuellement et ce n'est pas pour ça qu'ils se rendent coupables d'actes monstrueux. Mais essayons de comprendre les ressorts psychologiques qui les ont poussés à agir ainsi.
Il y a en effet plusieurs facteurs qui peuvent pousser à l'acte criminel. Les facteurs biologiques, psychologiques et sociologiques, c'est-à-dire relatifs au milieu où a grandi le criminel, ou facteurs exogènes par opposition aux facteurs endogènes, donc intérieurs au criminel. Selon les apports de la théorie multifactorielle de Ferry en 1893, qui prend en compte toute une série de facteurs criminogènes qui se combinent différemment selon les délinquants et qui vont déterminer leur activité criminelle, selon les cours de Nicolas Combalbert, les conditions économiques et sociales constituent le bouillon de culture de la délinquance. Le délit est un phénomène complexe aux causes multiples, qui conduit à dégager trois sortes de facteurs. Les facteurs anthropologiques, endogènes au sujet, les facteurs du milieu physique, exogènes au sujet, et enfin les facteurs relatifs au milieu social. Constitution de la famille, système d'éducation, poids de la religion, densité de la population. Il y a donc différents types de criminels et de délinquants. Par exemple, il y a les délinquants d'habitude, les délinquants d'occasion, et là on a plus l'impression que c'était des délinquants d'habitude. Selon Wolfgang et Ferracuti, certains ont appris le comportement de violence au terme d'un processus d'association et ne perçoivent donc pas la violence comme un comportement illicite et ne ressentent par conséquent pas de sentiment de culpabilité. Selon Gassin, en 1985, on parle d'éclatement de valeurs éthiques. Pour Sutherland, en 1947, le comportement criminel est appris, notamment au contact de pairs au sein de groupes restreints. Par exemple, dans des milieux pauvres, des adolescents qui rencontrent d'autres délinquants et qui suivent donc ce modèle. Ici, le comportement criminel est appris lors d'un processus de communication au contact avec d'autres personnes dans la même situation. Est-ce que vous faites le parallèle avec notre affaire? Pour Célin, la culture d'un groupe particulier pousse au crime lorsqu'elle autorise ou prescrit un acte de violence interdit par la loi. Et ici, malheureusement, la situation pré-criminelle, donc c'est-à-dire qui précède le crime, était assez propice au crime. Je m'explique. Selon Gassin, la situation pré-criminelle est constituée par deux éléments essentiels. L'événement, qui a provoqué la formation du projet criminel dans l'esprit du délinquant, et les circonstances qui ont entouré la préparation et l'exécution du crime. Ici, les circonstances de mise à exécution sont favorables, c'est-à-dire que nous avons nos trois criminels qui ont complètement prémédité un crime. C'était repérer une jeune femme dans la rue, la kidnapper et voler son argent. Et l'événement originaire significatif a été la défense de Rie face aux vies, l'agression CUL. Et ça, malheureusement, ça a été l'origine du passage à l'acte, à savoir son meurtre. Et ici, même si le choix de Rie était le fruit du hasard, son potentiel de victimité était très grand. C'était une jeune femme, seule, et dans l'obscurité et la nuit, qui plus est. Ici, on a affaire à une criminalité organisée, à caractère brutal ou agressif. C'est un racket qui a été particulièrement violent, vu que nous avons enlèvement, suivi de meurtre. Et le but ici était acquisitif. Et malheureusement, pour 300 malheureux euros, Rie aura perdu la vie. Et c'est cette élaboration du plan au préalable, donc cette préméditation qui a dû jouer dans le jugement des trois hommes, y compris le choix des complices. Évidemment, ce crime est quand même pas banal, vu qu'il utilise les ressorts du dark web, car Internet aura malheureusement facilité cette organisation de crime. Et cela ne justifie en rien le crime horrible de Rie. Sa mère donne actuellement des conférences dans des écoles pour perpétuer la mémoire de Rie. Et elle a demandé l'augmentation de la sécurité dans les rues du Japon. Mais Rie en commentaire si tu es arrivé jusque-là. Et dis-moi ce que tu penses du jugement. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo. La vidéo précédente traitait de celui qu'on surnomme l'Hannibal Lecter du pays de Galles. Je te le mets dans le petit i. Et abonne-toi sinon Poupie viendra te faire la même coupe qu'elle. Et en attendant, suis-moi sur TikTok et Instagram si je te manque entre deux vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout, ramenez-les en voiture s'il est tard le soir. And remember, you rock.